was the name? Bang? Bang Van? Bang van mijzelf. Bang van mijn gedachten. Mon film s'appelle La Tanche et parle d'un jeune homme qui s'appelle Jonathan. Au commencement du film, il sort de prison, il retourne chez sa maman et il veut oublier le passé, il veut devenir un homme meilleur. Il veut lutter contre ses démons, mais ça devient difficile puisque une femme vient habiter à côté d'eux avec sa fille de 9 ans et il commence commence une amitié avec cette petite fillette et tout de suite ces démons reviennent parce qu'il a des sentiments, des désirs impossibles. C'est un jeune pédophile mais qui veut absolument pas l'être. Il se lutte avec tout ce qu'il a en lui de ne pas devenir comme ça. Il veut pas jamais passer à l'acte. Jonathan. C'est une adaptation d'un livre, mais ce qui m'a vraiment pris quand je lisais le livre, c'est que je suis une maman, j'ai deux filles. J'avais quand même, comme je crois beaucoup de gens, une idée sur les pédophiles. Je croyais que quand même la majorité d'eux, c'était des monstres ou des gens pas bien, quoi. Mais quand j'ai commencé à lire, je sentais chez moi que je devais changer un peu d'avis. Lutter avec une nature, c'est difficile, hein, si c'est ton instinct, que faire, quoi. Je ne voulais pas parler du thème pédophile, je voulais parler d'un homme, d'un jeune homme qui souffre. Qui souffre parce qu'il a en soi un côté bon et un côté mauvais. Et ça, il se lutte intérieurement en lui, et c'est grave. C'est pas parce que je vais essayer à comprendre quelqu'un qui souffre de ça que je l'approuve. Et si jamais il passait à l'acte, bien sûr, il faut punir. Allez, tu peux jamais faire quelque chose aux enfants. Hein? Mais ce n'est que les prédateurs potentiels qui peuvent faire mal à eux. Et si c'est eux-mêmes qui pensent qu'ils peuvent dire à quelqu'un « je me sens mauvais parce que j'ai des sentiments que je ne veux pas avoir, est-ce que tu peux m'aider ?» S'ils osent faire ça, ils vont moins être en danger. Inge Schilperoer travaille avec des criminels et un de ses patients était un homme qui souffrait de ça et qui se détestait lui-même, qui voulait se tuer aussi. Et elle était un peu intriguée par voir la lutte qu'il faisait en lui et chez elle ça a fait le début du livre. Elle m'a fait beaucoup confiance. Elle m'a donné son livre. J'ai changé beaucoup de choses. Je ne voulais pas juste comme un esclave faire ce qu'il y avait dans le livre. Il y a une autre fin et il y a des morceaux qui sont très explicites dans le livre que moi je ne voulais pas montrer dans le film parce que je ne voulais pas ni choquer ni... je trouvais que c'est mieux qu'on travaille avec l'imagination du spectateur que de lui montrer, imposer des images. Et je crois que ça marche mieux si en fait on travaille sur évoquer plutôt des choses que de les montrer. Déjà, faire connaissance avec Temen, c'était très spécial. Il est très doué, il était très courageux aussi de vouloir faire un rôle pareil. Mais quelque part, c'était merveilleux parce qu'il s'ouvrait, il avait beaucoup confiance en moi. J'ai aussi toujours demandé, est-ce que tu veux aller aussi loin? Parce qu'il y avait des limites pour moi, mais aussi pour lui. Et je voulais quand même, et pour la fille aussi, je voulais quand même que tout le monde se sentait bien et ne se sentait pas utilisé. Par exemple, la fille aussi, je ne voulais jamais qu'après le film ou à cause du film, elle se sentait qu'elle aurait des idées spéciales sur sexualité ou
qu'il pensait que Damon, c'est un homme mauvais. On a vraiment demandé l'aide d'une psychologue pour lui instruire et pour lui dire où elle jouait dedans, pour qu'elle n'aurait pas de trauma elle-même. C'était tout ça très complexe aussi. Et on a fait vraiment attention à ça. Ce que je voulais, c'est en fait d'un côté être proche de lui, mais d'un autre côté, je voulais aussi gagner une sorte de, garder une sorte de distance saine. Et ça fait qu'on a fait des images très sobres parce que je voulais quelque part laisser les opinions chez les spectateurs. Je ne voulais pas trop l'influencer non plus. Mais il y a un photographe qui m'intriguait fort, qui s'appelle Todd Heido. Et quand tu regardes ses photos, ça m'a beaucoup influencé parce qu'il fait ça. D'un côté, il crée une intimité. Et d'un autre côté, il garde une distance aussi. C'est presque contradiction, mais j'ai voulu capter ça comme influence dans mon film. Moi, ma force, c'est de faire le cinéma, pas trop de parler, en fait. Je trouve que les choses sont souvent tellement compliquées, c'est difficile de les dire. Et une image, c'est dire parfois 1000 fois plus qu'un mot pour moi. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.